Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo ça. Ou sous machin zin, comme nous toujours dit, nous pas vendre zin, cependant nous toujours dit, ou prêtez nos géos avec l'oreille et puis prendre ces chaises bas, ou ça entendez à zin pété pirate. Je dis là, nous portons une nouvelle pour, c'est concernant la mort et Tije, chef gang Tije, qui tape si la trouble là, dans la population, et bien, la police arrive tirer monsieur dans Delma 83. Avant d'entrer dans le détail, n'oubliez pas de vous abonner avec la chaîne là, c'est une façon ou capable d'aider nous et encourager d'avancer. Nous tournons dans la nouvelle là, jeune de Dioulia, chef gang Tije, joint la mort à Souéa, monsieur tombé en bas de la police. On va prendre côté et BRI, et brigade intervention rapide, et stoppé, et une pigo chef bandit dans Cafoufeuille, Tije, et on connaît, et la police tape cherché depuis quelques temps. Et après, gros massacre qui était fait dans le passé dit, et plusieurs unités dans la police là étaient mobilisées, et puis ouais, comment ils étaient capables de prendre chef gang ça, et dans Fiefli, et dans Savane Pistache, mais l'opération ça lui-même, il était sans succès, et dans zone là, mais jeudi lundi, on dit mardi matin, la police nationale BRI et avec DCPJ mène l'opération ça, côté chef bandit Tije, lui-même a bien ensemble de et il y a une grosse disposition de sécurité qui prend dans le périmètre de l'Elma 83 en bas pour gasoline et plusieurs unités de la police mobilisées et Edupol et là Delma 62 et là il y a des CPJ tout qui renforcé et il y a plusieurs autres unités dans la police nationale le pays d'Haïti qui là il y a DCPA et Calaïbio et nous déjà identifié et lui-même qui l'a tout et qui a mené l'opération et nous remarquons présence inspecteur Gauthier il y a commissaire pour le presse là il y a directeur départemental l'Ouest là et il y a tout qui est présent dans le cadre d'opération ça côté Tije et rive jeune la molle et juge de paix déjà venu pour aller faire constat cadavre ça et qui dans corridor ça et côté chef bandit à lui-même était censé caché avec plusieurs acolytes lui et capable rive et limite là on a remarqué c'est ambulance là immatriculé BB 91 877 lui-même qui a fait bac pour aller prendre cadavre chef bandit dans Cafoufeuille là quand même Tije qui s'y met en pile d'œil dans le quartier populaire. Je me rappelle, le dernier événement qui était gagné dans le passé dit, le chef bandit ça lui-même était tué et plus passé 6 personnes dans le cadre de descendant de l'île de fait dans le passé dit, quand il y a plus passé vers l'autre qui était blessé par un petit bébé qui était mort dans le cadre de massacre qui était fait dans le Cafoufeuille dans le passé dit. Là, nous avons parlé tout à l'heure comme ça avec le juge de paix lui-même qui fait constat cadavre ça ensemble accompagné avec plusieurs unités de la police il y a ambulance lui-même qui déjà mettait le diapason pour prendre cadavre ça dans Delma 83 côté nous mobiliser la police nationale pays d'Haïti plusieurs unités il y a BRI il y a Edupol il y a policier de Delma 62 il y a policier Pétionville plusieurs unités même qui là pour avancer la pétain stand-by puisque périmètre là lui-même sous contrôle et la police et gagné la brigadier le même qui a avancé pour y aller prendre et cadavre ça là c'est là nous allons constater ensemble et cadavre ça il y a pour venir dans l'ambulance et bien chef bandit ça nous tout son gel qui fait plusieurs années après et leur tête ça une pistache qui causait plusieurs citoyens dans la zone ça et qui frappait de temps en temps et avec notre groupe armé dans la zone qui habitué paralysé et activité dans la zone ça au niveau sécurité publique. Là, nous avons regardé des CPA et lui-même, Calais Boucher, qui souhaite accompagner le juge de paix dans le corridor ça, côté de la portée là, devant le inspecteur Gauthier, le directeur départemental de la police là qui là. Et bien, ensemble, pendant la police a cherché dans la zone Cafoufeuille. Vous songez qui continue le déploiement, la police l'a fait et dans la zone ça pour arriver trouver le chef bandit ça, mais qui était sans succès. Et vous songez ça déjà et vous songez tout qui quantité massacre et chef bandit ça lui-même il fait. Quand il y a la question qu'a posée, est-ce que Tije c'est dans une saleté, est-ce qu'elle t'a passé parce que route ça lui-même Vivi Michel, c'est route qui débouchait sous Vivi Michel et Delma 83, il débouchait tout sur avec avec nous le secrétaire d'État à la communication Edith Jackson-Alexis, lui-même est présent dans le cadre d'opération ça, la police est menée après-midi qui est ouvert juste le matin, et côté chef bandit Tije et Savane Pistache tombé. Et Edith Jackson-Alexis, qui vous élément d'information à gagner? Bon, et nous saluons tout auditeur, téléspectateur Radio Caraïbio. Et c'est moi pour nous envoyer un gros coup de chapeau et un fier chandelle pour la police là, à travers diverses unités qu'il gagne, que ce soit BRI, que ce soit DCPJ et DCPA qui est là tout et qui là encore sur les lieux on parlait de commissaire Carl-Henri Boucher qui sous place dans l'un a parlé à la et environ 1h30 de cela depuis la police à travers l'information que l'idée disposée. Ils arrivent et suivent tout mouvement, chef gang qui était sorti en l'air dans la zone Carrefour là, pour garder qui côté l'a déplacé, qui côté l'a fait, et ça permet à la police de localiser. À partir du moment où ils viennent localiser, eh ben, dans la zone de 83, c'est là, ils viennent faire échanger coup de zem avec la police qui était vraiment mobilisée, moi je précise à travers qui unité, et là, même, la police même neutralisé chef gang ça. C'est malheureux que chef gang l'a tombé, ça aurait été mieux de prendre vivant, pour toute qualité d'information sur l'arsenal ZAM, sur la quantité de monde qui a travaillé avec elle, ou bien les gens pour les théoriser la population dans le cas là. Mais de toute façon, le fait c'est que la police, les mêmes je dis, elle est neutralisée, Tije, et qui a été là, où il y a juge de paix qui est sous place, il y a encore des unités de la police nationale, il y a policiers de CPJ, policiers BRI, policiers administratifs qui là, qui sous place dans Delma 83, dans l'entrée 83, bon côté Timachéa, c'est là, monsieur t'a laissé caché, et bien la police fait filature sur lui, et là, nous arrivons, et il a neutralisé chef gang ça, il a cherché dans la zone, pour qu'on ait qui côté le exactement, très certainement, il va déplacer là pour côté, et il va déplacer là, non plus les deux mains vides pour quantité d'armes apparemment nous qu'a dit chef gang ça a gagné et si nos armes ça a été utilisé semaine passée à mercredi précisément pour le faire ZAC contre moun innocente et désarmée dans la zone Carrefourfeuille. Donc nous saluons la collaboration de la population hein, qui baille la police information, les vraies informations qui permettent de nous mettre les mains sur chef gang ça. Qui sa stratégie a été? C'était dans la zone intérieure, zone de difficile d'accès. Dans le palais de Grand Ravine, tout près en bas de l'hôpital, dans la zone Boutilé, côté Yoïa. Et bien la zone difficile d'accès, parfois pas de route et construction anarchique tout empêcher les policiers d'arriver dans la zone. Nous utilisons les moyens lourds et les moyens forts, à savoir hélicoptère. La police utilise ma véhicule et matériel roulant qu'elle a gagné, elle a même hélicoptère, je me dis là, dans l'opération qui a été faite dans la semaine passée, des chefs ganglans, il n'y a pas qu'à camper sur place. Moi, j'ai déjà dit, suivant information, service et renseignements généraux, tu as collecté, il n'y a pas en pile dans le gang TGA, et bien, il est déplacé, dans le déplacement là, ça, filature fait sous lui, nous arrivons justement neutraliser. Nous sollicitons, c'est principale préoccupation, et tout le monde dans le pays d'Haïti, et nous vraiment peur à cause que ça nous capturer. Est-ce qu'il y a un plan jusqu'à venir sur l'affaire sécuritaire spécialement? Mais ouais, c'est l'exécution plan. Plan où tu as résumé un tract général et de façon pragmatique et active sur encore derrière tout le monde qui a des armes, qui a théorisé la population, quel que soit non-beauté, quel que soit côté le campé, quel que soit côté le caché, la police a venu derrière. Nous te dit que ça femme ou bien garçon ça yo. Très souvent nous c'est garçon, mais monsieur ça yo, il n'y a pas grand territoire pour cacher pour la police pas joindre. C'est une preuve. Anel qui a fait parler en pigeonnier, moi la presse présentée. Très probablement c'est ça comme l'homme le plus recherché d'Haïti et mais la police a privé sous lui. Nous zone côté lié dans marché de Saline là, yo a marqué là. Ça veut dire que filature qu'a fait sous lui là, nous t'es qu'a venir très certainement l'a tomber. Il pas tomber jeudi, il va tomber demain matin, l'a tomber quand même. Il y a deux choix, soit vous déposer les armes ou bien vous mourir. Donc communauté de Haïti pays a trois petits sont plates mais liés pour bandits penser que yo ka prendre contrôle tout côté. Ça t'a arrivé qu'on petit marché doucement et bien quand on réveille là nécessaire pour le faire aujourd'hui c'est réveil là qui fait de la part de tout le monde qui concerne dans chaîne de sécurité publique là, la police sécurité publique, commissaire gouvernement, le chef du CISPEN, à savoir le premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, tout le monde qui est concerné, les services de renseignement généraux à travers information, donc ça les services d'intelligence là, tout mettre en branle pour traquer tout bandit, quel que soit côté au caché. Moi, je voulais féliciter les policiers, mais pendant ce temps, on a remercié la population qui baille l'information. C'est maître moi. L'information, c'est lui qui a dominé le monde, mais si nous n'avons pas d'information, nous ne sommes pas capables justement de tirer ce petit cafouille. Quel côté vous joignez là? C'est passe Provette. Donc, dans la zone d'Elma 83, un passe Provette, dans deux pompes gasoline qui sont entrées, bon, il y a le market là, dans l'entrée 83, bon, Timacha, c'est là, vous venez. Donc, monsieur, là, il fin de faire ça de l'autre côté, il est très mobile. Ils ont déplacé pour le cacher de l'autre côté, mais grâce à la collecte d'informations que la police a fait, que la sécurité publique fait, que le service d'intelligence de l'État a fait, nous arrivons qu'on est qui côté yoyé, et ils ont dit à nous neutraliser Tije. Anel, il a privé sous lui, par un bandit qui va le cacher de côté pour penser qu'il prend tout le territoire en otage, pour dire pour l'île. D'ailleurs, si on a trouvé le marché de Saline, c'est parce qu'il a couru derrière elle. Je ne parle pas de courir derrière la population uniquement. La police avec ZAM, traqué dans le village du côté de l'île, elle n'a pas arrêté là. Et bien, côté le marché de Saline, il a traqué actuellement là. Avant longtemps, nous avons des populations continuent à collaborer avec les policiers, continuent à faire autorité et confiance, n'a pas marché pour quel que soit bandit qui décide de pour simulateur, de population traquée, n'importe qui. Merci un peu sur l'état de communication et Edith Jackson-Alexis. Lui-même qui t'a pas apporté explication. Information, c'est qui s'allie. La police nationale pays d'Haïti, BRI, brigade d'intervention rapide, de mener une opération. Côté chef bandit Tije, tombé dans l'impasse Fauvette, dans Delmar 83. Opération, c'est BRI, brigade d'intervention rapide qui te mène en concert avec DCPJ. Mais là, on a regardé avec dans Delmar 83 et plusieurs machines qui mobilisaient le DDO, direction départementale ouest, DCPJ BRI qui mobilisait, Edupol, tout mobilisé. Donc, cadavre Tije, nous sommes gardés la veine déjà là. Il y a ambulance et à l'heure là qui se prend cadavre ça. Après, juge de paix, et même fait constat. Sur place, il y a plusieurs autorités dans la police là qui là dans le cadre d'opération ça. D'abord, on a noté DCPA et Calais Boucher, directeur départemental d'Ouest là, il y a inspecteur Gauthier, il y a commissariat et Port-au-Prince, il y a sous-commissariat et Delma 62, et bien tout là. Jusqu'à maintenant, quand on m'a parlé avant la lame, et activité sous contrôle, en bas pompe gasoline Delma 83, côté machine capsoti et sous autoroute Delma. Et pas qu'à contourner et pour aller vers Publin et pas Delma 83, ou pas qu'à aller vers Vivi-Michel, ou pas qu'à aller vers Belleville. Donc, Tije est tombé dans l'espace Fauvette, et il y a une information qui rapporte que c'est Caillou Frel. Il est venu dans la zone ça, Tije qui était avec lui, il y a un calibre 9 mm dans le corridor ça, côté la police était menée l'opération et pendant plusieurs minutes, côté Tije lui-même était rentré en altercation avec la police qui t'a mené l'opération ça, et bien une opération qui menait avec la mort de Tije, chef bandit ça, qui a un pile problème dans Cafoufeuille, et il a appelé le dernier massacre qui se passait là, c'est dans le passé dit, côté plus passé 6 personnes étaient jeunes. Plus passer 20 l'autre monde blessé, l'opération qui était laissée en pile de danger. Donc, ou même qui t'a regardé vidéo, bah, j'étais quitté commentaire, dit comment satisfaction là, nous t'es remarqué dans la rue Port-au-Prince et en pile monde a fêté contentement par rapport avec autour ça qui tombait qui tape nuit population et n'a vu un gros coup de chapeau pour la police qui fait un bon travail. Donc, je vous dis tout le monde, bye bye, rendez-vous pour l'autre vidéo. Non pas non, c'est Machanzin.